Oh, je te le dirai tantôt, c'est mis en code. Non, déjà que t'as nommé John, je pense qu'on est pas mal... John, moi, je l'aime pas tant que ça, anyway, là. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi? Vous donnez des biens pour les Lakers, toujours. Vous donnez des biens pour les Lakers, premier danger en avant. Il y a un beau style. Hey, arrêtez. Sérieux, là, le jour où je l'ai rencontré, là, moi, il m'avait dit, le jour où Cliff, il te parlera, tu ne parleras pas. OK? Puis moi, j'ai toujours mis au clair avec John que... Pourquoi tu me regardes même? Ben non, mais j'attends la suite parce que... Toi aussi, t'as dit ça? Ben non, mais semblable, mais c'était pas... Il m'a dit, si tu reparles à ce gars-là, comme tu te parles plus. Moi, j'avais mis au clair avec lui, comme quoi, genre, que moi, c'était mes amis les deux, puis que, tu sais, pour vrai, là, je devais pas faire un choix, là. Ouais. Là, tu sais qu'on avait un peu déçu. Mais tu sais, le fait... Ouais, mais le fait qu'ils soient rendus associés, regarde... T'attends à ce que c'est du passé, cette histoire-là? Non, je sais! Mais oui, mais... de toute façon, avec ce qui est arrivé... Ça a changé, mais là, déjà dit quand... Vraiment, je suis vraiment ignorante, mais c'est sûr que tu connais, là. C'est sûr que t'es dans le milieu. Avec ce qui est arrivé, là. Puis tu leur as parlé, déjà! Dans le milieu! T'as-tu déjà été au Pure, Allen? The Middle Earth! La Terre du milieu! En plus, t'es déjà allé à Los Angeles, je comprends pas, toi. C'est... T'as-tu déjà été au Pure, Allen? Non. En face, je sais pas toi qui m'avais dit que t'étais en face avec Papa Roddy, là, pis il voulait pas te faire rentrer, pis t'es resté là avec, t'as rencontré un Papa Roddy. Ouais. Bon, ben c'est ça. C'est lui. C'est toi qui m'avais dit ça? Ben là, moi, on m'a jamais conduit ce soir-là. OK. Ben moi, oui. Tu me l'avais dit, là. Pas le compter, ça nous compte de conduire. La soirée, j'ai rencontré Ryan Gosling? Oui. Bon! La soirée que t'as rencontré Ryan Gosling. Bon, ben c'est ça. J'ai rencontré Noah. Hein? Pardon? Pas Noah. Le beau Noah. Le Noah dans quoi? J'étais sur Sunset Boulevard. J'étais allée dans un liquor store. Moi et mon ami, on cherchait comme de la boisson. Puis, il y avait une barbe et une casquette. C'est pour ça que Cliff te l'a dit. L'autre fois, il y a une fille de Love Story, chose là. C'est à toi ou à toi? Je pense que ça dingue. Arrête de me niaiser. Mais pour de vrai, je pensais que c'était Priscilla, moi. Mais non, c'est elle. C'est toi qui es. Quelle insulte. Non, non, mais c'est parce que tu m'as dit, j'ai... Tu as besoin de mon frère, ma fille. Mais une fille aux accents italiens. Pas pas long. Pas d'accent italien, moi. Non, mais je veux dire... Ben, Cliff! Sidney, quand t'étais allé, t'as rencontré... C'est sûr que t'as rencontré un gars avec les cheveux genre ondulés, avec une... Une couette. Décapotable, gros char, ben de l'argent. Arrête donc, là. Que le monde... Hey, c'est qui, là? Il y avait-tu du monde, Sidney? Sidney, c'est qui le propriétaire du Kodak Theater? Elle croit vraiment qu'on l'a... Sidney! C'est vrai, c'est toi qui me fais rire. Qui? Sidney. Moi? Sidney, c'est qui le propriétaire du Kodak Theater? Non! Laissez-moi tranquille! Ouais, mais le gars, personne ne la regarde dans les yeux, tout le monde la regarde à terre. C'est lui, Cliff. Ah! John, c'est son associé. Il n'y a pas de Cliff, il n'y a pas de John, là, vous autres, là. Ben oui. Mais non!